Seigneur est pareil au jour. Ses rayons jaillissent de ses mains. C'est là que se cache sa force. Alléluia. Le Seigneur est roi. Que la terre exulte. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu la gloire. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les cieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux.
Nous lisons dans le livre de l'Exode, au 3e chapitre. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Alléluia. Le Seigneur est roi. Il gouverne la terre. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seul. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur !» Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. »
Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chantons le cantique de la semaine. Dans les recueils allemands, numéro 238, les trois premières et la cinquième strophe. 238, les trois premières.
Dites si c'est vrai. S'il était né vraiment à Bethléem dans une étable, dites si c'était vrai. Si le roi mage était vraiment venu de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens, dites si c'était vrai. Si c'était vrai, tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres, dites si c'était vrai. Si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare, dites si c'était vrai. Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants, le soir avant d'aller dormir, vous savez bien, quand ils disent notre père, quand ils disent notre mère, si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Oh, sûrement je dirais oui, parce que c'est tellement beau tout cela. Quand on croit que c'est vrai. Bien souvent, j'ai entendu, vous savez, ma famille ne veut rien entendre de la foi. Fiche-moi la paix avec tes bondusseries, me disent-ils. Et pourquoi est-ce que tu cours toujours au temple ou à l'église tout le temps, après tout ce que tu as enduré? Où est-il donc ton Dieu? Et même, ma belle-fille m'a dit que si je prie à table quand mon petit-fils est là, il ne devrait plus venir chez moi. Ces croyances sont dues confrontées à une hostilité plus ou moins agressive contre la foi chrétienne, comme si c'était une doctrine de secte dangereuse. Est-ce que nous sommes dangereux? Je trouve pas. Et en même temps, bon. Parfois, cette agressivité vient même dans les églises. À l'occasion de casuels, quand des membres de la famille se sentent obligés à assister à un acte d'église, quand leur fort intérieur le refuse. Et ça, moi je le vois parce que je les ai en face. Jacques Brel, l'auteur du poème que je vous ai lu, n'est pas hostile. Au contraire, il est à la recherche d'un soutien pour sa vie. J'ose dire, malheureusement pour lui, il ne l'a jamais trouvé. Là, il s'exprime avec beaucoup de pudeur, mais derrière cette demande répétée, dites si c'est vrai. Et c'est tellement beau quand on y croit, se cache un désir profond de bien plus que de seulement tenir pour vrai les histoires bibliques. De tout ce texte se couvre l'ardent désir de pouvoir croire en Dieu. C'est peut-être tout le drame d'une vie, que celui que ses amis surnommaient tendrement l'abbé Brel n'a pas cru en Jésus. Il nous a laissé son désir. Un désir qui est tout à fait moderne, parce que qu'est-ce qui est fiable dans notre monde d'aujourd'hui? Nous pouvons dire que la seule constante est l'incertitude et le changement. Ce qui est affirmé un jour est vivement refusé le lendemain, et le surlendemain les choses auront encore changé. On nous prépare mentalement à une situation qui change pour nous dire après, eh bien on fera autrement. S'il y avait dans ce monde une chose constante, une seule personne fiable, une seule. Et même là où ils se promettent fidélité jusqu'à ce que la mort y mette fin, un mariage sur deux ne tient pas. Quoi d'autre pour nous y accrocher? Alors parfois, quelqu'un trouve une Bible, et non seulement il la trouve, mais il la lit. Et en lui ou en elle, naît encore cette envie que ce soit vrai, ce qui est écrit dans ce vieux livre. Mais les gens de l'Église aussi ne sont pas à l'abri du doute. La foi, et peu importe comment elle est vécue, peu importe son style,
qu'on prie en latin, qu'on prie avec les psaumes en version 16e siècle, les mains levées ou les mains croisées. Peu importe. La foi n'est pas monolithique et inébranlable. Il y a bien des événements qui peuvent nous faire douter. Mais n'y a-t-il pas quand même quelque chose qui reste? Quelqu'un à qui faire confiance? Et le texte qui nous est donné pour la prédication ce matin est comme une réponse à cette quête. Dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, nous lisons « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et comme s'il disait, mais bien sûr que c'est vrai, bien sûr. Nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons entendu de la bouche du Seigneur par nos propres oreilles. Comme si ça nous servait de raconter des bobards, aussi bien inventés qu'ils soient et aussi bien ficelés qu'ils puissent être. Bien sûr que c'est vrai, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous avons vécu ce que nous vous disons. C'est là l'appui du témoignage, qui renvoie un petit peu à la question que Jésus pose à Ponce Pilate, est-ce que tu le dis par toi-même ou parce qu'un autre te l'a dit? La question que je me pose à chaque fois quand je dis le symbole des apôtres, est-ce que tu le dis par toi-même ou parce qu'un autre te l'a dit? Et où à chaque fois je réponds un petit peu les deux mots pour le même, parce que je veux y croire, mais le doute arrive aussi. Est-ce que vraiment c'est vrai, puisqu'on en voit rien? Et en même temps, alors je me souviens de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Et je peux dire aussi oui, je le crois parce que j'ai vu de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Tout comme l'apôtre dit que la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie, dans la vie des 12, que la gloire de Dieu les a incités à faire confiance aux Écritures. Ça peut surprendre que ce n'est pas la lecture de la Bible qui les a menés à croire en Dieu, mais au contraire un vécu extraordinaire dans lequel Dieu s'est révélé à eux, qui a suscité cette confiance, cette foi. Et parce qu'ils avaient vécu ce moment unique, ils ont compris les Écritures d'une autre manière. Non pas comme un vieux livre, mais comme un livre qui leur parle d'eux-mêmes, qui leur permet de comprendre leur vécu et d'élargir leur esprit sur tout ce que peut être Dieu. C'est là, après, dans les Écritures, que nous trouvons à notre tour la confirmation, ce qui nous renferme dans la foi. Quand nous avons vécu quelque chose de particulier,
et que la lecture de la Bible nous permet d'affirmer plus fermement encore, oui, c'est Dieu qui a agi. Que nous ne disons plus, c'est le hasard qui a fait, mais Dieu a agi. C'est là ce qui nous renferme dans la foi aussi quand les questionnements de notre quotidien nous incitent à douter de Dieu. Dans les Écritures, dans les paroles des prophètes, des évangélistes et des apôtres, dans les paroles de Jésus qui nous transmettent. Parce que tous, ils nous sont témoins de leur vécu avec Dieu, de leur vécu qui ravive le nôtre. Ils sont messagers de Dieu. Ils sont des anges de Dieu. Et à qui prêtons-nous nos oreilles de nos jours, dans nos heures de doute? Il y en a tellement qui veulent nous siffler les oreilles avec leurs paroles de Cassandre, avec leurs paroles de révolution parfois, d'insurrection, qui veulent nous faire peur. Mais prêtons l'oreille uniquement à Jésus-Christ. Il faut parfois dire à tous les autres, à tous ceux qui nous entourent, mais mets-toi en sourdine un instant, je veux entendre mon Seigneur. Jésus-Christ, c'est lui l'objet de notre confiance, lui aussi la mesure de ce que nous approuvons ou désapprouvons. Des jeunes aux États-Unis, enfin le mouvement existe depuis assez longtemps maintenant, mais ils ont commencé jeunes, ils avaient 4 lettres, WWJD, What would Jesus do? Que Jésus ferait-il? Que ferait Jésus à ma place? Et c'est là la question de oui ou non pour tout ce que nous pouvons entreprendre, réfléchir, mettre en action. Est-ce que Jésus l'approuverait? S'il était à ma place ou s'il était face à moi, est-ce qu'il me dirait « vas-y, c'est bon » ou est-ce qu'il me dirait « arrête » ? Certes, dans la Bible, il n'est pas question de gestion de pandémie. Il n'est pas question de transition écologique. Même si aujourd'hui le discours public met souvent des mots religieux dessus, quand on parle de conversion écologique. Excusez-moi, mais ça c'est religieux. La conversion dans les églises, on en parle depuis 2000 ans. Et ça a commencé même pas avec un Jean-Baptiste au bord du Jourdain, mais des siècles plus tôt avec les prophètes de l'Ancien Testament. Retournez-vous de votre chemin qui mène à l'anéantissement, dit l'écologie, mais ce n'est pas notre religion. La Bible parle de raison de Dieu. Elle parle de justice. Et là encore, de justice de Dieu, elle parle de bien se comporter. Et ce bien comporter a un nom dans votre langage bien nous qui s'appelle l'amour du prochain. C'est faire ce dont il a besoin. Voilà une mesure pour nous, pour faire face à ce qui nous tombe dessus. Et une autre mesure est l'action de Jésus. Comment a-t-il agi? Comment agirait-il s'il était ici maintenant? What would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place? Alors c'est peut-être l'invitation de relire les évangiles. Mais en deux phrases, on peut dire qu'il s'est toujours occupé de ceux que les autres avaient marginalisés, avaient mis hors du cercle.
que ce soit des péagers, que ce soit des prostituées, que ce soit des étrangers ou des gens qui n'ont pas la bonne religion. Il s'est occupé des malades, il s'est occupé des isolés qui étaient seuls et en souffrance, des désespérés, des étrangers, des pauvres, des maltraités. Et c'est là qu'il s'engage à fond et même au risque de perdre ses amis. Il s'engage. Alors nous ne sommes pas Jésus, mais je crois pouvoir dire, si nous sommes aussi réunis ce matin ensemble dans cette église, que nous sommes ses disciples. Et donc, à notre niveau, nous pouvons suivre son exemple. Dietrich Bonhoeffer a intitulé un de ses livres de ce titre qu'on ne peut pas traduire correctement en français, Nachfolge. Suivre après. Et c'est ce que nous pouvons faire. Suivre le modèle, suivre les pas de Jésus. Non pas en devenant maître, mais en devenant de bons disciples, de bons élèves. C'est alors qu'il peut être notre modèle. Et en ce temps pandémique, j'ai l'impression qu'il peut surtout être celui qui nous soutient et nous réconforte. Et ça nous demande encore une fois de lui faire confiance. Parce qu'on peut suivre un modèle sans aimer celui que nous suivons. Il peut être hautain dans ses manières, mais on peut essayer d'apprendre son métier. Jésus, il faut l'aimer. Lui faire confiance comme à un père ou une mère. Et c'est là qu'il sera notre soutien et notre réconfort. À condition toujours que nous nous laissons faire. C'est comme un enfant qu'on veut prendre dans les bras quand il ne veut pas, on a perdu. Lui faire confiance. Il va nous réconforter. Il sait alors que nous pouvons lui chanter ses louanges. C'est ce qu'on va faire dans un instant. Lui chanter ses louanges. Parce qu'il est là. Et parce que lui, c'est celui qui est vrai. C'est celui qui est constant tout en étant en mouvement avec nous. C'est celui qui est fiable. Par-dessus tout. Même par-dessus l'amour, il est fiable. Et donc, nous pouvons élever vers lui nos cœurs, pleins de reconnaissance, comme nous allons le chanter dans quelques instants. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute raison humaine, garde nos cœurs et nos esprits, en Jésus-Christ notre Seigneur. Thank you.
au 562 dans nos recueils. Dieu notre Père, reçois notre prière et que ta lumière soit pour tous une raison d'espérer et une source de joie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Par lui, nous te disons en communion avec tous nos frères, tes enfants, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la joie, au siècle des siècles. Amen. Restons debout pour chanter le verset au numéro 884 dans nos recueils.
entrée du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles.